C'est parti pour vlog numéro 1, let's go. Ah ouais, c'est la manette, on peut changer. Et là-bas, c'est, ouais, ça va être une tour aussi. C'est un tour en fait. Et c'est un mode rooftop. C'est là-haut que les gars vont faire le lac par exemple. C'est trop bien. Théo, est-ce que t'as un mot à dire là pour le Zénith? C'est l'heure du vlog numéro 2, c'est parti. Bravo mec, hein. Lancement du vlog les mecs, c'est parti. Il a appris son texte aujourd'hui, il est venu à zéro répète. Qu'est-ce qu'on fait là? On attend avant les premières dernières répétitions. Avant le Zénith. Merci. Et on a faim. Mais on n'a pas mangé. En fait, je n'ai pas proposé, c'est une assiette du pipi, une soupe au caca ou une salade de croûte. Donc, t'es en mode compliqué. Donc, je crois qu'on mangera pas avant 16h30, mais c'est pas grave. Pour manger, c'est là-dedans, c'est dans la tête. Et les gars, on va prévoir à manger pour après, parce que là, vous allez quand même partir en répète et tout. Vous voulez manger quelque chose en particulier? On commande, on... Ouais, c'est pour la bouffe de ce midi ou de... Bah, du canard comme ça, et ce soir sera après. Ouais, je suis chaud de fou. Toi, et toi, tu me prends une canette sur le chemin. Ah ouais, c'est pas non, hein. Toi t'es trop mon petit en fait, ça t'as pas compris. Viens, toi on va s'expliquer ça. Écoute, tu vas te casser la cheville. Allez, cavale, Emion, chef, va me chercher une canette en bas, merci. Tu rigoles. Avec des glaçons, chef. Il y a un jour où il fait ça. Les mecs, on va répéter là-bas. Justement, on va répéter les mecs. Merci. Non mais en gros, mais les gars, c'est pas toi qui choisis quand on répète. Moi je vais répéter mon texte. C'est pas sérieux, c'est pour ça que moi je suis loupé. Ça casse les couilles. Parce que vous avez pas vu les 5 derniers jours, à chaque répète, dès que c'était fini, il prenait le micro, il disait bah non, ça va dans l'agriculture. Il y avait du karaoké pendant 8 heures. Quand tu parles, on comprend rien quand tu parles. Parce que c'est le racisme, hein. C'est le racisme. Mais j'ai pas ça, je suis pas en train de dire ça. Ils ont oublié. Tu mâches ses mots. Par applaudissement, le mulet de Dayan. Ah bah oui. Par applaudissement, la bite de Léopold. Le cancer phase 3 de Théo. Oh. Efficace. Eh, par applaudissement au stress de ce soir. Oh là là, qu'est-ce que mec. Ta gueule. J'étais plus stressé au répète que maintenant. Ouais, j'ai joué, c'est vrai, ouais. Je quoi? C'est parti pour le vlog numéro 1. Let's go. Arrête de faire ça. Moi mec, ça me fait trop rire, les gars, je vous jure, moi, je n'ai pas 1% de stress, ça me fait juste trop rire. Ouais, moi aussi. Si c'était mon émission, je me chierais dessus, mais c'est pas mon émission. Non, Maxime, elle a l'air en détente de fou là. Mais tout ça, là tu vois, ça fait une heure ça glande. Moi je me dis tiens, je vais sortir pour voir les répètes, c'est comment? Ils sortent tous alors qu'ils font rien depuis une heure. Ouais, vas-y, je suis pas le boss là, je suis pas le caïd. C'est le desk. C'est le vrai même ou ça? C'est le desk. Il y a la signature de Léna dessus. Oh, regardez. Arrête Emilien. C'est qui le programme? Là j'ai un badge All Access parce qu'ils m'ont filé un badge qui s'appelle Emilien Diop Bourset. Et je te dis mais c'est pas mon nom. J'ai regardé, quand tu tapes sur Google, ça met mon blaze, il y a un mec qui m'a créé une fausse biographie. Et du coup ils ont pris le premier résultat qu'aujourd'hui je m'appelle All Access. Ok c'est bon. Regarde, c'est incroyable. Ce sera vraiment Paris. Ce sera vraiment nos chaises. Non, je pense pas. Et sinon, elles vont casser très vite. Ah, tu penses? On va être assis comme de con, il y a 6000 personnes qui vont être là. Alors, qu'est-ce qu'ils font être assis comme ça là? Mais non, c'est Twitch, merde. En vrai, rentrez chez vous, genre. Mais les gars, vous payez pour être assis, quoi. Vous avez des sièges chez vous. Non, c'est beau quand même. Salut tout le monde. Vous allez tenter 16. 16. C'est la très très bonne pression là. On est content, on a plus qu'à kiffer, à profiter. Putain. Et par contre, ils sont hyper petits comparé à tout ce qu'il y a autour. Ouais. Quoi, tu veux quoi? Tropico? Ouais, t'inquiète. Tu
on a grave la place de fou, hein, Lyon. Même pour les danses et tout, on a la place de fou, tu vois, pour les danses quand il y aura plus de bureau. Bien sûr. Après, ça a plus rien à voir. Oh, je suis trop fouèche. Frère, il va le soulever. Frère, il y a 100 kilos là. Non, il va, non, tu vas le baisser. Oh la vache. Je fais ça, comment ça la vache? Non, tranquille. Wow. Oh. Ah ouais, oh putain, j'ai la tête qui tourne. J'ai perdu Antonin, les gars. Les gars, on va avoir besoin de vous sur scène, tous les trois. Maintenant? Ouais. Ok. Si vous mettez derrière la track tower, s'il vous plaît. Okay. Et je réunis les autres. On vient de voir le buffet, ils ont mis un faux cochon ou un sanglier, je crois. Tu parles de moi? Non, 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 le... Mais bref, non, la préparation du buffet. Au fond, en fait, on vous montre après, ils ont mis un sanglier. Mais ça fait tellement super vrai. Bien fait, super bien fait. Oh. Ça, c'est impressionnant, ça. Ça, c'est impressionnant. Putain. C'est pas si haut que ça. Tu veux que je me mette sur la table et comme ça? Oh. Attends. Oh. Non, non, oh. Ah, bah là, ils se sont fait huer. Les micros pour parler. Les répétitions, on a 2 heures de retard sur le programme, sachant que avec les répètes de base, on nous a dit on n'aura que 20 minutes de répète. C'est ça. Par tableau. Mais là, on a 2 heures de retard. Ouais, du coup, on a peut-être perdu genre 27 tableaux ouais. de répétition. Donc, je pense qu'on va pas répéter. Et ça sera dans les mains de Dieu. On va dire c'est dans l'empreinte de l'émission. Hein. C'est ça. Même pour le Zénith, c'est dégueulasse. On a beaucoup répété en amont, ça, c'est déjà ça. Bien. On est prêt. En fait, je crois que la cause, alors on m'a dit que c'était apparemment ceux des lumières qui est arrivé trop tard. Ah mince. Et du coup, ça a tout décalé, je crois. Et aussi Ben qui voulait du caviar. Ouais, c'est ça aussi, ça a mis du temps. Vous avez réussi à la voir? Non, pas encore, et ça nous fout dans la merde. Okay. Il y a toujours pas de foie gras. Ça commence à me percher, moi. Non, tu vois là, tu vois. C'est pas sur ça, non pas. Je te jure, tu vois la séquence, c'était terrible là, tu vois. Je peux t'équiper? Oui. Merci. Moi, je blais les miens. Vas-y, viens, ce bâtard! À gauche, viens, Smog! Viens, niquer! Tu veux pas dire ce que tu veux. Ouais, ça me. Ouais. Ça vous fait rire, ça. T'as un problème? Mature, ça c'est mature. Pourquoi tu fais ça y est, un prout, ça vous fait rire. Pourquoi je fais le mec sérieux d'un coup? C'est un petit souci. C'est juste niveau son ou apparemment. Il faut bien timer l'entrée de Ben. Je pense qu'il arrive vraiment sur le. Je te protégerai toujours, Ben. T'as les deux oreillers, Thomas, tu vois? J'en ai qu'une, parce que de toute façon elle marche pas. Ah ouais? En fait, je te jure, on fait cette trêve là comme ça, enterré à jamais. Oui, mais je te jure, c'est bien. Ok, merci. Je peux te lécher? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Ah, ça va être trop bien après. Dans la salle, l'arsène de fou. Ouais, tout. C'est pas parce que je m'en rends pas compte au programme, ouais. J'ai rien. Moi. C'est que durant la musique ou bien il y a aussi pendant qu'on se regarde. Non, mais même c'est quand on parlait, des fois ça coupait tout vite. Okay. Ouais, j'ai des gars qui sont méga ma mère, des gens qui sont là. Toi, t'es chaud? Ouais, ça va. C'est notre première salle, non? Ouais. T'avais pas participé à des salles d'autres personnes? Même des interventions de classe, toi t'as une. Ah ouais, tu vas kiffer, mec. Ah, tu vas kiffer. Je sais pas. C'est... En plus, là, c'est ton public. Ouais. Ils sont là pour toi, pour ton émission. Non, tu vas kiffer. Mec, l'adrénaline que tu vas avoir à la fin, ça va te rendre drogué, mec. Tu vas vouloir revivre ça. Ouais. À ton avis, pourquoi je fais des événements de tous les copains? Ouais. Juste pour prendre un peu d'adrénaline. Ouais, un peu d'adrénaline. Ouais. Merci d'ailleurs de partager la tienne. Merci. Vous pouvez faire le silence, s'il vous plaît. Juste, merci beaucoup. On va gérer ça. Là toi c'est fini, t'es ouais, je crois que c'est fini, ouais. Bon, si c'est fini, moi je récupère tout ça, ouais. Je le rends après. D'accord. Pour cette histoire de réception, on va gérer ça. Ça marche, merci les gars. Merci. Va te reposer, souffle. Ouais, je vais chercher ma mère. Ouais. Dans les ailes. Non mais non. Moi je suis à la toilette, on est humain avant tout. Tu peux partir. Oh, non, la phrase. Vas-y. Frérot, j'ai chié un zénith. J'ai chié un zénith, frérot. C'est le stress, c'est les émotions. T'es sûr? On va fusionner toi et moi.
Frérot, tu ressens. On va appeler un classique. Frérot, tu ressens. Ah ouais, non, mais Yann, découvre que quand tu chies, ça c'est où? Ça va? Ça va? Moi, ça va. Toi, ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va aller, quoi. Ah, tu sais, ça va me faire stresser. Non, moi, c'est les sons, j'espère que ça va. Non, après, tu vois, on les répète, c'est fait pour ça. Il y a des gens qui ont jamais vu le truc avant. Il y a des trucs qui sont partis avec un peu de retard et tout. Le but, c'est que ça parte normal. Qui ça? Normalement, on va y arriver. Je me rends pas compte, peut-être que c'est dans 1h30. Non, voilà. Vous avez vu quoi ça? On peut voir la reste de la journée. C'est bien, c'est voilà. Ça dit quoi, les minutes par là? Ah, merde. Ouais, ça va. De toute façon, les gars, peu importe ce qui se passe sur scène, hein. Frérot, t'inquiète pas, frérot, on va tanker du début à la fin. Même si pour l'écran il part pas. Même si pendant 3h30, on va se marrer. Même si pendant 3h30, on se fait huer, on va pas s'arrêter. Au pire, on va le faire enculer. Dans ta peau. J'ai des déchets. Tu veux quoi, toi? Mais quoi? Pourquoi moi j'ai payé 100 balles de t-shirt là? Mais ça va bien. 120 balles. Attends, mais on peut acheter là? Bah oui. Quoi? Attends, parce que moi j'en ai. On peut aller acheter, moi j'ai payé 120 balles pour mamie. Tu vois, skip. Tu t'arrêtes pas, tant que Maxime il est pas en haut, il va pas faire du succès, vous arrêtez pas de collecter tout le temps. Les t-shirts et nos zéniths, nous c'est mort, ou du coup faut que j'en ai acheté, comme le mien je me suis fait voler dans la semaine. Mais c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. J'en ai 7 minutes pour aller acheter. Ok. C'est ma journée. 7 minutes parce que là dans 7 minutes les gens ils rentrent, frérot. Allez-y maintenant, prends les t-shirts, venez. Cours. C'est dur que là, tu te poses là. En vrai, la vie de ma mère, t'es bien. Non mais c'est bien, c'était les écrans en vrai. Ah ouais? On était en bas, en fait, le truc c'est que plus que là c'est éteint, t'as grave la visu sur Ouais. Putain, j'ai pas ton t-shirt. Essayez-vous pour vous. C'est bon hein. Romain, t'es comment Ben? Je suis stressé, mais confiant, excité. Ça n'a rien à voir les trois ensemble. Et je suis très excité. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais sûrement bien. Et en vrai, c'est entre les mains de Dieu maintenant. Hein. On y croit. Il reste combien de temps là? Il reste 1h30. Et voilà, j'ai des messages de ma famille qui me disent que c'était parce qu'on cherche le parking. Ok. C'est pas très confiant. Il y aura pas ma famille. Bisous papa, bisous maman. Dommage. Ah oui, tu m'as dit. Let's go. C'est la meilleure maquilleuse de France. On s'est armé en tête. Bonjour, ça va. Moi, je dis ma phrase. Et du coup, tu dis, tu te calmes, il y a des gens dans le public. Un peu une daronne. Après, question. T'es stressé. Enfin non, t'as une question, t'es stressé. Il arrive pas. Le boss nous dit, il va faire 3 minutes d'interview. Mais je suis content, je suis excité. Là j'ai qu'une hâte, c'est d'être en haut et de gueuler de toutes mes forces. Voilà. Mais j'ai ce truc là, juste là, je me sens un peu mou, tu vois. Mais je sais que dès qu'on va ouvrir le rideau, c'est normal. Toute cette mollesse, comme on dit, je sais pas si on le dit, c'est normal. Ça va partir. Ça va partir. Allez. Allez. C'est la colo. Ah, c'est ça, hein. Regardez comment je traite l'équipe de Zen quand il n'y a pas les deux autres là. Hein, Max, Grim, faites les fous, mais regardez comment je les... Hop. Les prochains, c'est vous. C'est faux. Il y en a un qui pue de la gueule parmi tout ce monde-là, je dirais pas qui c'est. Je pense que c'est Wamdou. Je sais pas. Je me sens plus vite. Sens l'équipe. Tiens, ça sent les pâtes au beurre, toi. Ouais. On peut plus reculer, là. Tu sais, je suis encore. On annule, alors. Ouverture de porte 18h30, hein. Peut-être qu'il y a depuis 10 minutes, il y a des gens qui rentrent. Bah, je pense, hein. Ouais. Il y a moyen. Bonjour, mais ça va être bien. Essaye de rentrer toi aussi, voir. Si tu veux. Si tu veux. Ouais. Tu veux j'essaie pour de vrai? Non. Non, tu vas te faire emmerder par tout le monde. Je peux plus rentrer. Je peux plus revenir après. Making of. Ok Maxime, tu me rends les 100 balles que tu m'as pris s'il te plaît frère. Parce que là tu fais un zénith et tu peux pas me rendre mes 100 balles que tu m'as pris il y a 4 ans. Donc
Donc au bout d'un moment, voilà, je suis désolé de l'imposer dans le making of, mais à un moment donné, tu vois, je souris, mais là, ça me casse les couilles. Tu vois, ça me fait chier. Allez, bon, c'est dit, mon pote. J'espère que t'as tué ça, sinon ça va faire des mèmes dans tous les sens. Ça va être terrible. Dernière ligne droite, il est 19h20, première partie d'Oudi, dans 30 minutes, Maxime il se change, je suis changé, on stresse pas, il stresse de fou, il fait que péter, mais c'est fou. C'est une dinguerie, ça pue de ouf, je stresse pas du c'est tout, trop trop grave, je stresse pas du tout, c'est grave. Oh, Max qui a testé la première tenue. En vrai, Chicos, sympa, tu vois. Chicos, sympa. Mais l'autre, elle est large de fou. Ah ouais, c'est bien oversize. Non, mais là, c'est... C'est vraiment jeu large là. C'est oversize. J'essaye. Putain, depuis que tu sors avec les notes. T'as pas les codes sur fashion, frérot. Mais c'est bien, hein. 30 minutes, ouais. Pourquoi il y a notre chanson à fond dans la salle alors que c'est notre surprise de fin? Arrête de mytho. Il y a le son de fin. Ah, il a mal entendu, il m'a fait peur. Il dit quoi? Il croyait qu'il y avait 15h15 le son qu'on fait à la fin, mais Putain, frayeur. Il est parti. En vrai, il est sale de fou! Il est bien! On dirait un riche italien, son père il en prie. Tu vois, t'as décrit ma vie! T'as changé! Capitaine! Ok, les frères, venez! Réunion, les gars! On se débrouille! Bon, les gars, là, franchement, on est à H-24, 26. Ouais. 25, mais minutes, du coup. Même pas, en vrai, même pas, parce que ça commence à 50. En vrai, on est à. Ouais, moins 17. On est à moins 17. Donc là, c'est maintenant. S'il vous plaît, moi, je veux juste un truc, et ça, je vous le demande, les gars. En vrai, de vrai, on peut être déçu des problèmes techniques, on peut être déçu de plein de trucs. Moi, la vie de ma mère, là, je serais déçu si dans 3 heures on sort de là et on s'est pas amusé parce que c'est un truc de ouf. Regardez, écoutez les gens, c'est frérot, dingue. Mais de toute façon, frérot, on est là pour s'amuser à fond. On est là pour s'amuser profiter. À fond, je veux juste ça. Je veux juste que quand on sort d'ici, on se dise tous qu'on a vécu une putain d'aventure. Derrière, on s'en fout. Derrière, ça marche pas. Derrière, il y aura des couacs, il y aura des moments qui marcheront pas, il y aura plein de conneries. Le tout, c'est que nous, on sort d'ici. Si dans 3 heures on sort d'ici, avec un sentiment de putain, on n'a pas fait assez, putain, on n'a pas profité, putain, on s'est pas amusé, mais c'est qu'on est vraiment des connards. Merci à tous les frères, et ça je vous dis vraiment, je vous aime de fou. Là, on réalise un rêve. C'est grâce à vous tous, et je suis même pas en train de rigoler, chacun, grâce à vous tous, de votre côté, tout ce que vous avez pu apporter tout au cours de cette saison, et même avant, et même dans ma vie en général, je pense à mes potes, à tout le monde. Tout ce qu'on fait là, c'est grâce à vous tous. Et pour ça, je vous remercie, je vous aime. On va le faire, on va s'amuser. Et là, il n'y a plus que du kiff maintenant. Let's go! Let's go! Stressé de la vie, il est allez, c'est maintenant. Profitez, les gars. C'est maintenant. Même le stressé de la vie, les potes, on s'équipe au soir, cherchez vos pantalons. On casse tout, hein. Il y a deux ans, vous êtes trois heures d'ouvert, sa mère. On va tout gagner. On a déjà gagné. Max, grille, Lucas. Allez les gars. Attends, faut que je me mette futal. Allez, Grim. Allez les gars. Allez les boss. Profitez, bande de salauds. Toi, profite. Je vais vous suivre dans tous les délires. Ça va être génial. Je passe à 22. Je vais le mettre possible. Je vais le Et Théo, Jarvis, équipe-moi le son. Grim, t'entends ou quoi? Théo, il est temps que ça. Ouais. Tu
tu veux voir vite fait à quoi ça ressemble. Bien, je pense qu'on peut se noter dans 2-2 pour aller voir. Ouais, je pense. Je pense qu'il faut que je me prenne le shot. Mais je pense que c'est le mieux qui fait. C'est que ce serait, tu fasses trop putain. Tu veux ça, moi non plus, je risque pas, tu penses. Faut que tout va bien faire. J'ai 5000 têtes qui sont en bas devant tout le monde. Rien. Dis-le bien, c'est important. Vas-y, je vais le dire. Je vais le dire. Ok, on s'en fout qu'il y ait un peu de retard, c'est du live, les gens ont l'habitude. Ouais. Voilà. Moi, on peut redécaler, en tout cas ça dérange personne, j'ai demandé. Il faut juste, moi je suis même d'avis de limite prendre le live avec un waiting classique si c'est possible, si c'est prévu, sinon c'est pas grave. Et juste de lancer Oudik uniquement quand il y a le truc, parce que c'est vrai que ça serait déceptif si pas tout le monde est rentré. Ça peut être non seulement déceptif et en plus bizarre, des gens qui s'installent pendant qu'il y a le gars qui chante et tout. Donc notre call c'est de dire que tant qu'il n'y a pas tout le monde, on n'est pas pressé et c'est du live, les gens ont l'habitude. En vrai, ça vous va les gars? Bisous. J'ai ma tenue de chantier en préparation, mais là j'ai ma tenue de Slayer. Allez, allez à toutes les gars. Merci, bon courage. Hein. À tout à l'heure. J'ai pas filmé, mince. Oh le mec relou. Oh j'ai pas. Ah mince, allez, désolé, je suis trop relou. Casse les couilles, c'est comme ça et tout, vous m'avez impressionné. Voilà, on va te faire passer. Très bien, vas-y, passe. Tu vas rassurer de ouf. Attention. Ça va, merde. Tu vas bien? Pas trop, toi. Ça va. T'es chaud? Allez, c'est parti là. Pour la mina, tu fais le montage, toi, tu fais le montage, non? Regarde la dégaine là. Regarde la dégaine. Hey, quand je vais arriver, j'avoue, je vais être en mode. On fait le face-off. Merde. Ouais, c'est ça le happening. J'entends. C'est ça le happening, Théo? C'est ça le happening? C'est lui, hein? C'est lui pendant 20 minutes. Je veux dire, c'est ça là. Salut, ça va? Très bien. Début du vlog numéro 1, c'est parti. Aïe aïe aïe. Oh, la non-synchro. Allez les gars, on y va. Allez, vous voulez. Viens, viens, viens. Toi-même, tu fais ça en fait, tu vois, un artiste que t'aimes. Là, les gens sont là pour toi. Les gens, ils sont là pour toi. Yeah.
Oui, ça y est, trop près ça. Ah ouais. Dernière étape, Moyen-Âge, après 15h15, let's go. Merci mon frérot. Allez, dégage. Ok. Non, on s'entend bien, t'inquiète. C'était grandiose. Regarde-nous, frère. C'est toi. C'était genre. Putain, mon frère. Bravo, frère. Bravo. Mec, c'était trop bien. En vacances. Ça a été en vacances. Allez, tu restes, tu souffles. Tu vas pouvoir aller, tu vas pouvoir aller en Corse. Tu vas pouvoir aller à la Corse. Je m'appelle Maxime. Non, merci beaucoup. Bien joué mon chef, t'as assuré comme never. C'est le plus beau. Zizou. Vlogger avec ça. Salut. C'est pour toi, c'est le making of. Qui ça? Mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime. Est-ce qu'elle veut bien? Mais elle ne veut pas. Non. Ouais, c'est Greg. Vlog numéro 1, c'est parti.